Allô tout le monde, bonjour, bonjour, hello, hello. Donc, bon, il y a déjà du monde qui se sont connectés. Je vous présente un matin la collection Orange Mashup, The Clear Jelly Stamper, et Ultimate Autumn, The Clear Jelly Stamper. Je vais utiliser pour faire mes images, cette image-ci, qui est de la dentelle, de la plaque CJS LC31 Romantic Rebel. Donc, si jamais vous ne savez pas comment faire pour faire des cœurs à l'écran, on double-tape l'écran, ça fait des cœurs. Plus que vous interagissez avec mon live, plus que je vais monter dans les ratings de TikTok et plus que vous allez avoir accès à mes vidéos sur TikTok. Donc, je vais tourner un peu ma plaque pour pouvoir aller chercher mon image ici. Je vais prendre aussi mon tampon rectangle. C'est mon tampon préféré à utiliser. C'est mon choix numéro un lorsque je dois faire du stamping. Avec mon petit grattoir, bien sûr. Et on va faire toutes les couleurs, une après l'autre. Les noms des couleurs, je m'en rappelle pas au complet. Donc, pardonnez-moi, je vais faire la même couleur sur deux bâtons, donc un noir et un beige, donc qui fait l'illusion du blanc. Et vous allez pouvoir voir si la couleur transfère bien sur du noir ou la couleur transfère mieux sur une couleur foncée ou une couleur pâle. C'est la meilleure façon de voir si les couleurs, on les aime sur une couleur foncée ou une couleur pâle. Toutes les couleurs qui sont comme rouge, je vous le dis tout de suite, là, sur le noir, c'est pas wow. Par contre, je l'essaye pareil parce que ça pourrait bien sortir. Fait qu'on va commencer avec la couleur 148. Donc, celles qui veulent faire des cœurs, envoyer des cœurs, on double tape l'écran si vous ne savez pas comment faire. Puis plus que vous m'envoyez de cœurs, plus je monte dans les ratings de TikTok et plus souvent je vais pouvoir vous faire des lives aussi. Si je vois que vous aimez les lives, vous interagissez avec mes lives, ça va m'aider à obtenir plus de bons ratings sur TikTok. Fait que merci pour les cœurs. Je vois les cœurs rentrer. Fait que merci beaucoup. Donc, on va commencer avec notre couleur 148. Puis, on va la faire sur le blanc en premier. Donc, on va aller transférer sur le blanc. C'était sûr et certain que ça allait bien transférer. Ça, c'est sûr, ça transfère bien sur du blanc, sur du jaune, du orange, des bruns pas trop foncés. Ça va super bien transférer. Ça, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas de misère à transférer cette couleur-là. J'ai besoin d'un tampon nettoyé. Mon. Mais c'est pas le bon. Je m'en allais prendre de l'alcool, ça n'aurait pas nettoyé grand-chose. Donc, on s'assure toujours de bien nettoyer notre plaque à stamping, qui ne reste pas rien dedans. Comme ça, on est sûr, le tampon et la plaque, on est sûr et certain de pas d'avoir un meilleur transfert. Fait que là, on va aller faire la même image sur le noir. D'après moi, ça ne sortira pas. Mais on ne sait jamais. Oh, ça sort beaucoup mieux que je pensais. Ça sort un petit peu. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais ça sort mieux que je pensais. Mais ça ne serait pas un mix que je ferais. Honnêtement, je ne ferais pas le mix de cette couleur-ci sur du noir. Mais ça sort quand même un petit peu. Donc ça ici, c'est la couleur numéro 148. Donc, 148. Pardon, mon cellulaire sonne beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup de commandes qui rentrent présentement dans la boutique en ligne. Merci beaucoup de vos achats, de m'encourager dans ma boutique en ligne. Je l'apprécie énormément.
Donc, deuxième couleur qu'on va faire, c'est 149. 149 existait déjà dans... Je préfère avec le blanc, c'est très beau. Oui, c'est vraiment beau sur le blanc, là, Kimberly, c'est vraiment, là... Mais je te dirais que j'ai fait tantôt, aussi, je l'ai utilisé sur du jaune moutarde. Regarde comment ça a bien sorti. Ça sort super bien sur le jaune moutarde. Donc, le prochain, c'est 149. Ça, ça existait déjà dans la collection Layering 2. Donc, c'est pas une nouvelle couleur, mais elle est quand même relativement nouvelle. Ça fait à peu près un mois qu'elle est sortie. Mais ils ont fait un kit avec cette couleur-là. Fait qu'on va quand même la stamper. Et on le voit que sur le pâle, c'est super joli. On va nettoyer. J'ai tellement pas pris la bonne image à transférer. J'ai pas choisi la bonne. Eh hey, mon Dieu! J'aurais dû prendre des mandalas. C'est pas grave. Et on va refaire sur... Mais je l'aime tellement, cette image-là. C'est juste qu'elle est chiante à nettoyer. Sur du noir. Donc, ça va être la même chose que l'autre. On le voit vraiment pas beaucoup sur le noir. Fait qu'on va les mettre. Et si tu fais une couleur très pâle sur une très foncée, est-ce que ça donne quelque chose d'aussi bien? C'est parce que moi, je mettrais... Honnêtement, ça, c'est des plaques de stamping pour faire la superposition. Quand vous voulez que quelque chose comme ça ressorte sur du foncé, moi, j'irais mettre une couche de blanc en premier. J'étamperais une étampe blanche du motif et ensuite, je m'enligne par-dessus, je vais remettre le même motif. Fait que votre blanc va ressortir. C'est juste beaucoup plus d'ouvrage, si vous voulez, par-dessus une couleur foncée, y arriver, mais c'est possible. Donc, ça ici, c'est la couleur 149. Gênez-vous pas pour me poser des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis habituellement, toutes les couleurs qui ont un effet un peu shimmery dedans, ça sort beaucoup mieux sur du foncé parce que, justement, les brillants vont ressortir plus. Puis on le voit là, ça brille à l'écran, on le voit bien. Comme ça, puis on va aller le faire avec du noir, sur un fond noir. Fait que ça, on va l'avoir plus cette couleur-là sur le fond noir que les deux autres précédentes qu'on a faites. Donc, numéro 150. Voyez-vous, on le voit beaucoup plus. C'est beaucoup plus... Mais tu sais, ça donne pas la couleur vraie. Ça fait une couleur dans les tons orangés. Puis, en vrai, on le voit plus qu'à l'écran. Je vous dirais qu'à l'écran, c'est pas tant visuel. Mon éclairage est peut-être pas au top. J'attends quelque chose pour quand je filme pour avoir un meilleur visuel. Je vais essayer de vous l'approcher plus la lumière. Donc le numéro 150 pour que vous voyez mieux. Non, on le voit un petit peu mieux. Parfait. Je vais juste le tasser. Là. C'est moi qui ai été éblouie. J'attends quelque chose, j'attends une rondelle qui clip après mon téléphone pour éclairer. C'est un circle ring, mais grosseur cellulaire.
Fait que je me suis commandé ça. On va voir si ça fonctionne bien. J'espère que oui. En tout cas, j'adore ton live et j'aime bien la personne que tu es. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'apprécie. Moi aussi, je vous aime tout le monde, hein? Merci beaucoup pour les cœurs. C'est vraiment gentil. Je l'apprécie. Puis comme je vous dis, quand que vous interagissez avec moi en live, ça permet à l'algorithme de TikTok de me faire voir plus. Donc, je vais arriver plus... Oh, il est beau, lui, sur le blanc. Je vais apparaître plus rapidement sur les lives. Ah, c'est super gentil, Val. T'es vraiment gentil. Vous êtes donc bien fine, mon Dieu. Je vais être gênée après ça. Faites-moi pas gênée, là. Mais ça arrive du monde qui m'aime pas, là. Je vous le dis, là. Ça arrive. J'en connais qui m'aiment pas. Ben, je les connais pas personnellement, là, mais il y en a qui m'aiment pas, puis c'est bien correct, ils ont le droit. Donc, 151, il faudrait peut-être que je le scrape avant de le mettre sur le bâton. Hein, voyez-vous, vous m'envoyez trop d'amour, là. Là, je suis comme toute gênée. Tiens, on va aller le chercher. Puis lui aussi, il va paraître sur le noir. Oh, c'est celui qui paraît le plus sur le noir, je vous dirais. On va ramener notre lumière. Pour que vous voyez bien. 151, c'est celui qui paraît le plus sur les couleurs foncées. Super belle couleur. Fait qu'ils sont tous différents. Je vais vous les montrer sur le blanc en ordre. Oups. Donc... 148, 149, 150, 151. Ça, c'est la nouvelle collection Orange Mashup. Lui, dans le fond, c'est comme un canneberge, mais il fit super bien avec la collection. Ils vont super bien ensemble. Puis les couleurs foncées, je vais être capable de les mettre dans le bon ordre. Ouais, ça comme ça. Fait que je trouve qu'on les voit beaucoup moins dans les foncés. Il y a juste vraiment lui puis lui, les deux derniers, 150 et 151, qu'on voit vraiment bien. Mais on voit un petit peu le canneberge, mais tellement pas beaucoup que je sais que la lumière le capte que vous le voyez, mais pas sûr. Fait que 148... 149, 150 et 151. Fait que si t'aimes le 1 puis le 4, t'aimes le 148 puis le 151. Si ma commande n'est pas partie, je pense bien ajouter les deux coffrets qu'on a parlé hier. Ben, qu'hein? Elle n'est pas partie, mais elle va partir dans pas longtemps. Elle n'est pas partie, mais elle est toute pactée. Mais j'ai un secret à te dire, Valérie, fait que je te le dirai. Mettons que je te le dirai quand on n'est pas en live. Quand je suis en live sur TikTok, je peux pas le dire sur TikTok, j'ai un secret, mais je vais le dire juste à toi. Parce qu'on est amis, moi, puis Val. On est amis dans la vraie vie. Donc, on va continuer. On va reprendre deux bâtons. On va prendre la couleur 191. Ce n'est pas une nouvelle couleur. Dans ce boîtier-là, ici, qui est Ultimate Autumn, la seule couleur qui est nouvelle, c'est le 196. Mais je vous dirais que c'est vraiment un super beau kit. Si vous ne les avez pas déjà, ces couleurs, regardez comment c'est beau. C'est parfait pour l'automne. C'est parfait pour l'automne. Ma couleur préférée de toutes, je te parle après le live. De toute la gang, c'est elle, numéro 191. Pourquoi? Parce qu'elle fit avec toutes. Elle va avec toutes. C'est le genre de beige parfait que vous allez pouvoir vous servir. C'est disponible à l'unité ou en collection. Vous l'avez dans la collection Ultimate Automne et vous l'avez aussi dans la collection... comment qu'elle s'appelle ma collection? Attendez que je réfléchisse. Layering 2. Donc, c'est vraiment... La couleur, je l'adore. Vous allez voir, elle est belle sur toutes.
À part sur du beige, parce qu'on se comprend que beige, c'est pas fort. Mais regardez sur le blanc comment ça sort bien. Ah, le gold, il est écœurant. 196, là, tu vas capoter, Kimberly. C'est clair, j'ai manqué de tampons un matin. J'ai vraiment pas pris le bon modèle pour pas scraper mes tampons de coton. Mais bon. Is not been grave. Check bien ça, je vais juste la nettoyer deux secondes avec celle-là, voir si pour ce modèle-là, ça irait mieux celui-là. Ah, je pense que oui. OK, on va y aller avec lui. Donc, on va faire 191, un deuxième passage avec l'ongle noir. Que je vais passer une commande, ça va être la première fois que quelqu'un veut vendre. Regardez ça, comment c'est super beau. Ben merci, si tu passes une commande, il n'y a pas de problème. Parce que elle aime les produits, leurs produits et non les sous. Oui, moi, j'aime vraiment mes produits. Tu sais, puis si tu n'achètes pas, je vais te parler pareil. Moi, il n'y a aucun problème. Si tu es intéressé à passer une commande, le lien de mon site Internet est dans ma bio. Donc, tu as juste à cliquer dessus. Puis ça, c'est dans les produits Clear Jelly Stamper dans ma boutique en ligne. Donc, mais tu sais, que vous regardez mon live parce que ça vous intéresse puis vous aimez ça, ou que vous achetez dans ma boutique, un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir que vous soyez là, pas juste pour... Moi, je m'en fous, là. Si vous achetez pas dans ma boutique, je vous aime pareil, by the way. Moi, je fais de même. Donc, celui-là ici, c'est le numéro 191. Puis comme je vous dis, il paraît sur tout, sauf, je vous dirais, un beige qui est pareil. Par contre, quand vous voulez faire une image qui a plusieurs étapes puis qui est superposée, comme celle-ci ici sur la plaque de stamping. Si vous ne savez pas trop comment vous enligner, ça, puis, tu sais, pour les placer, la première étape, si vous êtes sur un ongle beige, faites-le avec ça. Vous allez pouvoir tout enligner votre image par la suite. Fait que, tu sais, c'est un petit truc pour vraiment, vraiment, vraiment que ça fonctionne bien. OK? 192. C'est comme un genre de caramel brûlé. Elle est vraiment belle, cette couleur-là. On va juste se replacer comme ça. C'est pas beautiful. Oh, que ça va être beautiful. Ça vaut mes bâtons. Check ça. Oui, c'est comme du caramel. C'est vraiment comme butterscotch. On va le faire sur du noir. Je ne me rappelle plus s'il sort sur le noir, par exemple. J'ai vraiment un... OK, fait que quand vous avez une image très travaillée comme ça, allez-y avec un tampon non pelucheux. Ça va être plus facile à nettoyer. Tarte aux deux derniers. Ah oui, ça, c'est jaune moutarde. Il est vraiment beau. T'as raison d'avoir hâte. Puis le dernier, c'est un nouveau, là. Je l'ai essayé un matin. Je capote. Il est full beau. Il est tellement beau. Même le... Ah, c'est dommage qu'il paraît pas autant. Puis il change de couleur. Il devient comme vert. C'est bien bizarre comme couleur. Sur le noir, je vous le suggère pas. Je vais être bien franche, là. C'est... J'ai reçu un cadeau. Oh, nice, cool! Merci, je sais pas c'est qui. Merci! Donc, celui-là ici, je vous le dis tout de suite, 192, mettez pas ça sur le noir, c'est lettre. Je vous mets plus de lumière que vous voyez comment c'est lettre sur le noir. Faites pas ça, c'est pas beau. Mais je vous le dis, c'est super beau sur plein d'affaires, OK? Je vais vous le montrer. J'ai fait un matin.
Je l'ai mis butterscotch, je l'ai mis ici pour faire mes tops, mes petits tops de, tu sais, je l'ai mis sur du orange, du jaune moutarde, fait qu'il est ici, ça c'est butterscotch. Je l'ai mis aussi, j'en ai mis, quand j'ai fait mon design ici, j'en ai mis aussi. Fait que j'ai mis un petit peu de couleur sur mes ongles le matin. Ah, j'en ai mis aussi pour faire le sac à dos de ma petite madame, butterscotch, puis ses petites bottillons de, aussi son butterscotch. Vous êtes fines, les filles, vraiment, là. Gênez-moi pas, sinon je voudrais plus en faire des lives. Mais comme je vous dis, là, honnêtement, là, sur du noir, 192, c'est lit. Faites-le pas, parce que c'est pas beau, ça sort pas bien. Ça sort vraiment pas bien. En toute honnêteté. Puis, c'est peu que j'aime une marque ou que je l'aime pas, ça l'enlève rien à la marque qu'une couleur, c'est pas beau. Avec, tu sais, le résultat, il est moins beau. On dirait que je vous connais, ça fait longtemps, puis moi, bien friendly, on dirait qu'on se connaît pour vrai. Ben, garde, il n'y a pas de problème. Puis moi, je suis amie avec tout le monde, hein? J'ai pas d'ennemis dans la vie. J'ai pas le temps pour la haine, puis j'ai pas le temps pour la méchanceté. Moi, j'aime tout le monde. Je suis amie avec tout le monde. Si tu m'aimes pas, ça te regarde, ça m'appartient pas. Fait que j'ai pas le temps pour ça, anyways. J'aime pas la chicane, j'aime pas la méchanceté, puis j'aime pas la négativité. Fait que moi, c'est, je vis dans le positif. Et voilà. Hey, c'est-tu pas beautiful, cette affaire-là? Oh my God, c'est full beau. Wow. Tu ne m'aimes pas, point, mais je te déteste pas pour autant. Oui! Ben, c'est ça. Moi, si tu m'aimes pas, je m'en fous. Ça m'enlève rien. Ça t'appartient à toi. Fait que moi, ce qui vous appartient, ça m'appartient pas. Seigneur, ça arrête pas tout bord, tout côté. Mon Dieu, j'ai reçu une commande. Merci beaucoup! Merci, merci, merci! Oh my God, ça arrête pas de rentrer. Merci, c'est vraiment gentil. Je l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Oh my God, même sur le noir. J'ai une carapace à hater. Ouais, moi aussi. J'ai pas le temps pour ça de toute façon. Moi, là, je vis dans le positif, je vous le dis puis je vous le répète, je vis dans le positif. Si tu m'aimes pas, ça t'appartient, ça me regarde pas. Sur le noir, à l'écran, ça paraît pas, mais honnêtement, ça c'est vraiment beau. Même sur le noir, c'est beau. Il fait quand même jaune moutarde sur le noir. Ça sort super bien. Fait que je vous dirais que le seul, jusqu'à date, j'ai pas aimé sur le noir, c'est 192. Ah, Val, c'est une amie, hein? C'est une amie, puis quand je suis sur Facebook, c'est ma secrétaire quand je fais des lives, puis que j'ai de la misère avec certains numéros, puis je me rappelle plus c'est quoi, ou je me rappelle pas le nom de quelque chose. Croyez-moi que Valérie, elle m'aide. Elle est tellement fine. Puis le dernier, 196. Regardez bien. Comment ça sort bien le noir et le blanc. Vous allez capoter. Merci beaucoup pour la commande. Je vous le dis, ça n'arrête pas. Je suis vraiment contente. Checkez ça comme c'est écœurant. Regarde Kimberly, c'est juste pour toi. C'est une vraie amie. Oui, puis on ne s'est jamais rencontrés. C'est juste par Internet. Mais je pense qu'on s'est développé un beau petit, une belle petite connexion, les deux. C'est beau, hein? J'aime les gens simples et qui ont une énergie positive. Ah, merci, t'es fine. Mais je me lève pas mal toujours de bonne humeur, premièrement. Si ça va mal, ben je me dis que plus tard dans ma journée, ça va mieux aller. Fait que, tu sais, c'est important aussi de pas vivre dans la négativité parce qu'après ça, ben regarde, je m'excuse, mais tu passes une mauvaise journée. Oh
My God, checkez ça! Checkez ça! Oh mon Dieu, j'en ai des frissons tellement c'est beau! Wow! C'est vraiment, vraiment beau. Honnêtement, en toute honnêteté, c'est débile mental. Ça vient dans un beau petit boîtier. C'est juste j'en ai pas en haut parce que moi, quand je me prends un boîtier, quand je prends des boîtiers pour moi, je les remets dans la boutique pour soit... parce que des fois, je vends des boîtiers qui sont vides. Ça m'arrive. Puis, je suis pas du genre à comment je pourrais dire ça? Je suis pas à l'argent, là. Tu sais, si quelqu'un me dit combien tu fais un boîtier vide, m'a te le vendre 2$, là, tu sais. M'a pas te vendre ça 100$, là, je suis quand même pas méchante. Donc, je me suis habituée et pas jamais de négativité. Ici, j'ai 19 ans. Ah, t'es hot! Je te trouve vraiment hot qu'à ton âge, que tu as déjà la maturité de comprendre que la négativité, ça n'a pas sa place dans ta vie. Ça n'a pas la place dans la vie à personne, le négatif. Wow, je te félicite. Bravo. Continue. De toute façon, moi, je me dis que quand ta journée elle part mal, elle va continuer mal tant que tu ne vas pas changer ton vibe et ton énergie. Fait que ça ici, si jamais elle vous intéresse, cette plaque-ci est tellement belle. Tellement belle. Elle s'appelle Romantic Rebel. Ça ici, là, c'est tellement cute, cette image-là. C'est un crâne. Un crâne. Avec, c'est toutes des fleurs qui constituent votre crâne. Elle est tellement trop belle, cette image-là. Je pense qu'on la voit mieux ici. Regardez. Je capote. Hier, j'ai fait cette image-là ici qui est difficile à comprendre parce que des fois, quand vous recevez vos plaques de stamping, ça se peut que votre image, elle s'enligne pas, mais il y a une façon de le faire pour l'enligner. Comme ce matin, quand j'ai fait ma petite madame comme ça, bien, il a fallu que je décortique mon image en plusieurs shots pour la faire parce que ça serait pas enligné sinon. Fait que c'est vraiment super important de bien aligner les choses pour que ça puisse transférer le mieux possible. Fait que je pense que je vous ai fait un super beau live. Hein? Fait que je vais vous remercier d'avoir été là. Si vous passez une commande, je l'apprécie énormément. Si vous faites juste passer et regarder mes lives, je l'apprécie énormément. Merci beaucoup pour les cœurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ah, j'ai oublié de vous montrer les couleurs encore. Les quatre couleurs en blanc puis les quatre couleurs en noir. Yes, Seigneur, j'oublie des détails. Ça vient ici. Donc, 1, 2, 3 puis 4. Fait que ça, c'était le résultat sur les blancs. Fait que toutes les couleurs fonctionnent super bien de Ultimate Autumn. J'en ai un de 19 et un de 21. Tu vois? Du choix. Je pense que j'en manquais un bout. Je pense que j'ai vraiment manqué un bout de ce qui était écrit, mais c'est pas grave. Donc, 191, 192, 193 et 196. Fait que vous comprenez qu'il manque 194 puis 195. Ça s'en vient. Je match mon gars. C'est trop cute. Puis, ici. Fait que toutes les couleurs sauf la deuxième. La deuxième, ça sort vert, mais comme genre vert kaki, c'est pas super. Fait que honnêtement, mettez-les pas lui sur du noir. Ça sort pas super beau. C'est la seule couleur qui sort vraiment pas bien là sur du noir. J'imagine que sur du brun foncé, ça serait vraiment très beau, mais sur du noir, ça a une drôle de... Ça change, puis ça fait une couleur comme du brun caca, c'est moins beau. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir envoyé des cœurs, je l'apprécie énormément. Merci pour celle qui m'a envoyé un cadeau, je ne sais pas c'est qui, ça a l'air que j'ai eu un cadeau, fait que je suis full contente. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit super bientôt. Merci, bye bye!